Douce image de l'Argentine où le bétail est élevé en plein air, nourri d'herbes et d'eau fraîche. Mais le pays change avec l'arrivée des parcs d'engraissement intensif, inspirés des États-Unis et appelés feedlots. On troque l'herbe pour un savant mélange de céréales, on remplace le gaucho par un tracteur et l'on engraisse. L'animal prend plus d'un kilo par jour contre 400 grammes seulement en pâture. Juan est l'un des pionniers du feedlots en Argentine. Près de 23 000 bêtes passent chez lui chaque année. Ses clients lui déposent leur bétail âgé de 8 mois environ et il ressort 120 jours plus tard avec un poids homogène et standardisé. Ici, c'est un processus agro-industriel. On peut prévoir le moment de la vente des animaux qui sont entrés à telle date, à tel poids, avec une marge d'erreur inférieure à 15 jours. Un élevage méthodique, mais surtout un élevage qui immobilise moins d'espace. La valeur de la terre ne cesse d'augmenter avec la rentabilité des céréales. Principal moteur de cette pression foncière, le soja, utilisé pour faire de l'huile, de la farine ou des biocarburants. L'Argentine est le premier exportateur mondial de ces produits dérivés du soja. Ces 10 dernières années, l'avancée du soja en Argentine a chassé l'élevage des sols agricoles. On estime cela à près de 5 millions d'hectares. Mais pour certains, la réputation de la viande de bœuf argentin doit être maintenue. Et cela tient à la tradition, non à l'élevage intensif. Il faut attendre un an de plus qu'en feedlots avant que l'animal atteigne son poids de vente. Mais Pablo est convaincu que laisser paître ses 2000 vaches, c'est miser sur l'avenir. Les gens vont commencer à demander de la viande nourrie à l'herbe et non dans des feedlots. On va voir la différence. Aujourd'hui, les feedlots ont l'avantage. Mais je crois qu'un jour, ça va s'inverser. Désormais, 5 millions de bêtes passent par les feedlots. 50% de la viande trouvée en Argentine est issue de l'élevage intensif. Et l'on estime que d'ici 5 ans, la production hors sol dépassera la production traditionnelle.